le tableau enchanté. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la production d'un projet artistique. C'est exact. Il s'agit de peinture. Chacun de vous devra créer un tableau enchanté. Je suis douée en peinture. Ce n'est pas mon cas. Chouette! Excusez-moi, qu'est-ce que c'est un tableau enchanté? Oh, Sophia, tout le monde sait ce que c'est. Un tableau enchanté est une œuvre picturale magique qui offre la possibilité de plonger dans un autre univers. Une fois que l'on entre dedans, le décor tout entier prend vie. De nombreux tableaux enchantés réalisés par nos anciens élèves sont exposés dans les couloirs de l'académie. Oh, ce sont tous des tableaux enchantés? Oui, très cher. Pour commencer, chacun d'entre vous doit réfléchir à un endroit particulier qu'il aimerait visiter. Pourquoi pas une oasis verdoyante en plein désert? Avec des dauphins! Et des dromadaires! Avec des ailes! Une fois que vous aurez choisi le décor que vous souhaitez reproduire, vous utiliserez des pinceaux enchantés pour le peindre. Maintenant, regardez la personne qui se trouve à côté de vous. Ce sera votre binôme, car vous peindrez à deux. Oh, non! Pourquoi? Oui! Je suis avec toi, Hildegarde. Tu as de la chance. Parfait, les enfants. Prenez votre pinceau enchanté et au travail. Révélez vos talents d'artiste. Alors, dis-moi ce que tu aimerais peindre. Une crique et de belles sirènes, voyons. Oh, excellente idée. Je savais que ça te plairait. Vraiment? Comment peux-tu le savoir? On ne s'adresse pratiquement plus la parole depuis quelque temps. Oui, c'est vrai, mais j'ai de l'intuition. Oh, si tu le dis... Je voudrais visiter le salon de thé du palais de Galdiz. Un salon de thé? Tu plaisantes, on en voit à tous les coins de rue. Moi, je veux faire un safari avec des lions, des éléphants et des phas cochères. Ne dis pas de bêtises, James. Je ne veux pas prendre le thé avec des phas cochères. Alors évitons le salon de thé, c'est ce que je dis. Trop tard. Vous avez beaucoup de talent, c'est magnifique. Excellent travail, les enfants. À présent, pour vous plonger dans le décor de vos rêves, il vous suffit de pointer votre pinceau magique en direction de votre tableau et de prononcer la formule magique suivante, Entrato Peinturo. J'ai des centaines de tableaux enchantés dans mon château, tu sais, peut-être Entrato même des milliers. Peinturo. En tout cas, j'en ai trop pour les compter. Chut, tais-toi deux secondes, j'aimerais bien m'entendre. L'artiste peintre le plus célèbre des trois royaumes les a peints rien que pour moi, pour me remercier de l'intérêt que je porte à son œuvre tout entière. Et pour sortir d'un tableau enchanté, rien de plus. Si tu me racontais ça plus tard. Il suffit de prononcer la formule magique de sortie. Exito Peinturo. J'ai une immense culture, je sais plein de choses, c'est pour ça qu'on m'apprécie autant. À cause de toi, je n'ai pas entendu la dernière formule. Ah, détends-toi, Sophia. Je te l'ai dit, des tableaux enchantés, j'en ai plein les murs de mon château. Je connais toutes les formules magiques. Jeunes gens, vous pouvez plonger dans vos tableaux enchantés quand vous le souhaitez. Allons-y, James. Le thé est servi. Entrato Peinturo. Oh, moi, je voulais voir des phas cochères. Eh, mais c'est encore possible. Voilà qui est parfait. Comme ça, pas de jaloux, on a tous les deux ce qu'on voulait. Entrato Peinturo. James! Tu es prête à aller voir les sirènes, Sophia? Alors allons-y. Entrato! Il faut pointer le pinceau vers le tableau. Oh, Sophia, tu n'as pas confiance ou quoi? Je te dis que je sais tout des tableaux enchantés. Entrato Peinturo! Mais ce n'est pas notre tableau. Quoi? Nous sommes dans le couloir. Ah, oui, bien sûr, voyons. Je me suis dit qu'il serait intéressant de passer par là pour s'entraîner. C'est la première fois que tu voyages dans un tableau enchanté, après tout. D'accord, mais on ferait mieux de retourner en classe et de plonger dans notre tableau. Qu'en penses-tu? Très bien, si c'est vraiment ce que tu veux, allons-y.